Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn dans Man Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Bien, j'ai décidé de faire un petit papotage pour celles qui, comme moi, sont seules la veille de Noël. Alors, qui sont installées à faire du Point Croix tranquillement pendant le réveillon. Et j'ai dit, bon, bien, je vais vous tenir compagnie. D'abord, ça se peut que vous m'entendiez tousser un petit peu. Je relève d'une grippe. Mais ça va beaucoup mieux que ça allait. Ma deuxième grippe de cette année. Bon. Espérons que ça sera la dernière. Alors, je travaille sur la pièce en rond de... Attendez, je vais vous montrer l'image. Oups! Un instant. Bon, je vous montre l'image, là. Vous savez, j'avais commandé plusieurs kits de cette artiste-là sur AliExpress. Là, vous voyez, je suis en jaquette. Ben, voyez-vous, à l'heure qu'il est. Puis, je suis en train de la broder et je l'adore. J'adore ces œuvres-là. On avait le choix de faire de commander le type de tissu qu'on voulait, soit de l'Aïda dans différentes grandeurs, mais moi j'ai pris du 28 cendres Ghana. Parce que certaines des œuvres, il y a beaucoup, beaucoup de points arrière. Puis je trouve que ça s'ajuste mieux sur du Lugana. Je fais du 28 cantes 2 sur 2. Je vous avais montré que j'avais été capable de tout. J'avais commandé les... j'avais demandé au vendeur de m'envoyer les fichiers PDF. Puis je pense qu'il y en a deux, j'ai pas été capable de mettre sur PatternKeeper. J'en ai 11 en tout, je pense. Il y en a deux, j'ai pas été capable de mettre sur PatternKeeper. Tous les autres, j'ai été mis sur PatternKeeper. Fait que là, ben, je suis en train de broder ça à partir de PatternKeeper. Puis je vous avais fait un tutoriel. Pour celles qui sont intéressées, vous pouvez voir dans ma liste de lecture de tutoriels sur comment transférer le fichier sur PatternKeeper. Ça allait assez bien. Ce qu'il y a, c'est que dans le fichier PDF, il envoyait quatre patrons. Il y avait un patron, il y avait deux patrons en couleur, deux patrons en noir et blanc. Puis pour chacun d'eux, ben, il y en a un avec et sans backstitch, sans point arrière. Fait que pour le PatternKeeper, c'est important qu'il n'y ait pas de point arrière. Parce que sans ça, il n'est pas capable d'interpréter. Ça fait que j'ai pris les deux, le patron en noir et blanc, sans point arrière. Puis ensuite, c'est la seule chose qui est longue. Ensuite, c'est que... Faut rentrer la légende manuellement. Je vous avais montré comment je m'étais organisée. Puis aussi comment, étant donné qu'il y a des points là-dedans, que
C'est du demi-point de croix, puis je vous ai vraiment montré comment je m'étais organisée aussi pour pouvoir indiquer sur Pattern Keeper que c'était du demi-point de croix. Fait que je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'avais déjà fait 1000 points sur cette pièce-là. Là, ça, c'est le deuxième mois que je travaille. J'ai décidé que j'allais faire 1000 points par mois sur une toile de cet artiste-là. Puis quand j'aurai fini celle-ci, ben, je pense que j'en prendrai une autre. Il y a en tout, en points, sur Pattern Keeper, il y a 7183 points. Ça veut dire que ça va me prendre un petit peu plus que 7 mois. Mais en fait, probablement 8 parce que je vais considérer le point. Je vais faire tout le. Étant donné que ce n'est pas très, très grand, je vais faire tout le point arrière à la fin. Puis ça va considérer comme. Pour arrondir à 8000, là, parce que j'ai 7183. Alors, comment allez-vous? Moi, je vous filme ça quand même couple journée d'avance. Fait que c'est sûr, je suis pas en direct avec vous. Mais si je continue à être comme je suis, là, probablement que mon frère nous a invités pour la journée de Noël, mais probablement que je ne pourrai pas y aller parce que je vais être encore grippée. Puis la dernière chose que je veux, il y a des choses que je suis bien prête à partager, mais ma grippe. La dernière chose que je veux, c'est la partager avec ma mère. Fait que c'est possible que la journée de Noël, je la passe toute seule, dépendant comment je vais être à ce moment-là. Mais pour moi, là, je vous ai déjà dit, pour moi, c'est pas un. C'est pas un drame. Je vous ai déjà dit, j'étais un petit peu le Scrooge de. J'adore travailler sur cette pièce-là. Ça peut pas être plus de saison, là, hein? La fille au pied de l'arbre, là.
Alors, nous autres, à Noël, bon, on n'a pas de neige. On a eu de la pluie la semaine passée. Fait que... Que voulez-vous? Pam, 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 pam. Bon. Là, il y a toutes sortes de beaux vidéos qui s'en viennent, là. Ben, d'abord, j'ai toujours mes déballages. Ça, ben. À la fin de l'année, ben, il va y avoir mon suivi mensuel de décembre. Je vais faire une récapitulation de mon année 2023. Puis ensuite, ben, il va y avoir en janvier, ben. Je vais commencer mes tutoriels sur du black work. J'ai assez d'inscriptions. Ben, en fait, ça va être au mois de février. Mais le 10 janvier, je vais faire mon lancement officiel de cette tutoriel-là qui va commencer le 10 février. Alors, à tous les mois, il va y avoir un vidéo. Où est-ce qu'on va avancer ensemble une toile de black work de Riolis? Fait que je vous invite à participer. Fait que le 10 janvier, c'est le lancement officiel pour celles qui ne sont pas au courant. Juste regarder le lancement officiel. Ça va vous donner amplement de temps pour recevoir la toile de Riolis si vous décidez de participer. Fait que je vais tout vous expliquer ça. Le 25 décembre, aujourd'hui, c'est le tirage des deux premiers objectifs de d'ATEC pour janvier. Et là, il y a un paquet de duos de salles qui commencent en janvier. Là, si vous m'entendez sciller, c'est parce que je fais de la smoothie en même temps. Là, fait que...
plaisir. Je vais faire mon point d'arrêt ici. Ça va faire ma première patte quand je vais continuer. Et je fais mon point d'arrêt, mais ça va être ma première patte du prochain point que je vais faire de cette couleur-là. Bon, alors, prochaine couleur. Alors, prochain symbole, c'est un mélange. Hier, je travaillais sur du 9 CT. Là, je travaille sur du 28 CT. Une petite différence. Toute petite différence. Vous voyez, c'est un point avec deux couleurs. Mélange de couleurs. Hey! La chatte est couchée sur moi et elle essaie d'attraper le fil en dessous, par en dessous. Non, 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 on fait pas ça. Non, 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 on n'attrape pas le fil par en dessous. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Va jouer un tour, je ne le tirerai pas au complet. Ça ne sera pas assez long que tu essaies de l'attraper.
Alors, quoi de neuf chez vous? Est-ce qu'il y a de la neige chez vous? Ah. Je suis pas placoteuse. Ah oui, plutôt un qui se met un ASMR aujourd'hui. Pas grand-chose à vous raconter. Alors, une autre aiguille est terminée.
989. Je vais devoir faire une petite pause, puis je vous reviens tout de suite pour vous, moi, dans quelques minutes. Bon. Alors, je suis de retour. Pour vous, ça a été instantané. Pour moi, ça a été quelques vingtaines de minutes. Bon. Alors, je vais essayer de vous organiser comme il faut. Maintenant que je suis de retour. Voyons si je peux trouver le bon trou. OK. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Hein? C'est que tu veux? Mais là, je suis en train de broder, là. Tu peux te coucher sur moi, là. Reste couché là, là. Couche là. Couche là. Reste tranquille. Excusez. Excusez, je vous ai accroché. Je crois que j'ai placé la chatte sur moi. Deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bien là, oui. Okay.
Il dit, je suis pas jaseuse à soir. Non. Essaye pas d'attraper le fil. Hey, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas grand-chose. C'est un court papotage, puis ça n'a pas été papotage ben, ben gros. Pas grand-chose à vous raconter, mais j'espère que vous avez quand même pris le temps de broder un petit peu avec moi. Cette image qui était vraiment de saison. Alors, ben, j'espère que vous revoir bientôt. Mais de toute façon, j'ai une vidéo par jour. De planifier. Puis, on a toutes sortes de belles activités qui s'en viennent en janvier, soit celles qui sont organisées que j'organise ou d'autres qui sont organisées par d'autres YouTubeuses. Ça fait qu'on a toutes sortes de belles activités. Puis, j'espère que vous allez participer aux miennes puis à celles des autres. Moi, j'en participe à plusieurs. Fait que je risque pas de m'ennuyer. Alors, je vous souhaite à toutes un très joyeux Noël. Puis, je vous dis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le temps. Si commentaires, suggestions sont les bienvenus. Puis, je vous embrasse. À bientôt. Bye.